Salut Internet! Vous aimez l'école? Vous pensez que les études, c'est être assis à un bureau à écouter un professeur ennuyeux et à écrire des dissertations pendant des heures? Vous êtes déjà demandé s'il existait d'autres types d'écoles? Eh ben, ce classement va vous montrer qu'on peut étudier beaucoup de choses différentes sur Terre. Vous serez surpris d'apprendre qu'il existe énormément d'écoles de pole dance à travers le monde. Rien qu'à Paris, il y en a une vingtaine. Bon, on est d'accord, à la base c'est une danse très connotée chaude, sexuelle. Mais c'est vraiment en train de devenir une mode chez beaucoup de jeunes filles. Perso, j'ai encore du mal à voir ça comme une chose artistique, mais ça reste qu'un avis personnel. Ça aussi c'est une mode depuis quelques années. Et pour le coup, je trouve le parcours très impressionnant. Faut une grosse dose d'agilité et bon, une petite partie d'inconscience pour tenter des acrobaties pareilles. Quoi qu'il en soit, les fondateurs de la Tempest Free Running Academy ont bien senti le filon et ont ouvert la première école de parcours en Californie. Quand on regarde leurs locaux, on se dit que ça ressemble à n'importe quel gymnase. Mais faut pas s'y tromper, hein, les réservations sont tout le temps pleines et une deuxième école a d'ailleurs été ouverte pour faire face à la demande. Alors, il y a des sportifs intéressés parmi vous? En Angleterre, l'étiquette est très importante. Le petit doigt levé quand on boit une tasse de thé, le parapluie qui sert de canne. Dans la bourgeoisie anglaise, les hommes se doivent d'être de parfaits gentlemen. Et pour leur apprendre, il existe une école exprès, où ils apprennent à marcher droit, à bien se tenir lors de repas ou encore à bien s'habiller. D'ailleurs, leur devise est simple. Être un garçon dépend de la naissance, être un homme dépend de l'âge. Mais être un gentleman, ça dépend de vous. Non, attendez, moi je vous parle du baiser, le contact entre deux bouches amoureuses, les millions de bactéries échangées, les odeurs de mauvaise haleine. Bref, c'est très sérieux. Il existe à Seattle, aux États-Unis, une école dédiée pour les gens qui veulent améliorer leur technique de langue. On y vient en couple et on assiste à des cours théoriques, puis pratiques. Je me demande si les profs doivent montrer l'exemple en embrassant langoureusement certains de leurs élèves. Ah, je vais peut-être changer de carrière, moi, en fait. En Inde, les dresseurs de serpents sont des gens à part. Ils sont souvent issus de communautés très pauvres et nomades. D'ailleurs, leur profession est en train de disparaître parce qu'une nouvelle loi rend illégal le fait de posséder un serpent à titre personnel. En attendant, les communautés de dresseurs de serpents se transmettent leur savoir-faire et leur méthode de dressage de génération en génération. Il existe ainsi des espèces d'écoles où dès l'âge de 2 ans, les enfants apprennent l'art de charmer les serpents. La formation dure en général 10 ans, et c'est vers l'âge de 12 ans que les jeunes charmeurs peuvent commencer à faire des représentations publiques. Pour le coup, ce genre d'éducation me donne pas franchement envie. Vous aimez Noël? Non mais, est-ce que vous aimez Noël au point de vouloir intégrer une école de Noël? Ouais, ça existe. Bon, au fin fond du Michigan, mais ça existe. Dans cette école, vous apprendrez en vrac l'histoire de Noël, comment se déguiser et se maquiller en Père Noël, ou encore comment réussir un élevage de rennes. Et vu que l'école évolue avec son temps, il propose même des cours de communication pour être le meilleur Père Noël possible si vous devez passer à la télé ou à la radio. Tous les mois d'octobre, c'est donc 3 jours de cours intensifs pour tous les gens qui rêvent d'avoir une belle barbe blanche. Ouais, c'est pas toute l'année non plus, hein, c'est pour parler de Noël. C'est pas de la physique quantique, hein, en 3 jours c'est torché. Pour cette école, on part en Islande, et plus précisément dans sa capitale, dans sa capitale. Dans ce pays, plus de la moitié de la population croit dur comme fer à l'existence des elfes. Mais attention, on parle pas de dégueulasse, hein, on parle des petites créatures du folklore européen. Par exemple, des ouvriers qui construisent une route peuvent faire appel à un spécialiste s'ils pensent qu'une petite colline qui se trouve sur le trajet de la route qu'ils construisent sert d'habitat aux elfes. Si l'expert leur dit que oui, ils construisent la route autour. On comprend donc l'intérêt d'une telle école. On y étudie principalement les elfes, mais pas seulement. Une petite quinzaine d'autres créatures islandaises sont aussi abordées. On y apprend leur mode de vie, comment les reconnaître, et que faire pour ne pas les énerver si un jour on tombe dessus. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous mets en description les liens de certaines de ces écoles. N'oubliez pas de rejoindre la communauté sur Twitter ou Facebook, il suffit juste de cliquer sur une des deux petites icônes là. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!